vraiment une expérience incroyable. On arrive à la SSM avec tout le monde. Je suis choquée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog de la SFM 4. Là on est vendredi, donc ce sera marqué là puisque je suis super fort en montage. Donc je vais juste vous montrer rapidement mes sacs, tout ça, et puis après on se retrouvera demain matin. Alors dans le premier sac j'ai mis ma boîte que j'ai fabriquée pour le donner à Noah du coup. Ce que j'ai mis dedans c'est mes papiers de la SFM avec mes tickets, tout ça, l'autorisation parentale. Et puis là il y a la boîte, je vais vous la montrer. Juste avant il y a ma pancarte de Moana pour la photo que je vais faire avec Noah, que j'ai pris deux photos. Donc la boîte que j'ai fabriquée elle est comme ça. C'était pas hyper facile parce que moi je sais pas emballer les cadeaux. Donc là ici on a les colliers de fer pour ma photo avec Moana. Ici une boîte pour protéger la pop que je vais dédicacer. Donc je vais dédicacer cette pop là. Et puis celle que j'ai fabriquée que j'ai déjà protégée. Donc la voilà. À l'intérieur j'ai mis mon TikTok et mon Instagram, donc avec ce snap. Donc là vous avez marqué, c'est marqué I love you Noah. Donc j'avais fait ça sur Photoshop. Mais vous voyez c'est pas hyper beau. Là ici il faut que je recolle aussi. Vous êtes posé sur des chaussettes. Dans l'autre sac, il y a toutes mes affaires personnelles, le chargeur, tout ça, les habits. Donc voilà, on se retrouve demain matin tôt pour prendre le train. Et puis après, on sera à Paris et ça va être super. Donc moi, je vous dis à demain. Dormez quand même. Mais bon, vous, ça va être rapide, mais dormez un peu entre la vidéo. Bisous! Tôt, enfin 7h30 ça va. Du coup j'ai bien dormi, je suis contente parce que je pensais que j'allais pas dormir, mais au final je me suis endormie en 5 minutes. Donc maintenant on va se diriger vers la gare pour aller prendre le train. Donc du coup je vais vous montrer ça. J'espère que vous avez bien dormi pendant quelques secondes. Voilà, donc à tout à l'heure. Donc là j'ai un petit invité spécial avec moi, j'ai Vovonette. Salut, c'est Vovonette. Oui, sans la perruque cette fois-ci parce que t'as eu un petit problème chez le coiffeur. Ouais. Il a coupé trop court. Il y a un produit que j'ai tout perdu mes cheveux. Voilà. Regardez. Plus rien. Plus rien. Donc chauffe pendant un petit moment encore. J'ai eu une grosse galère parce qu'en fait je voulais aller aux toilettes, sauf que c'est bien, je savais pas moi en tant que campagnard. Du coup j'ai dû acheter un pain au chocolat pour avoir de la monnaie parce qu'il n'y avait pas de monnaie pour aller pisser. C'est la première fois que je paye pour aller aux toilettes. Et du coup là on est devant la tour Montparnasse. Là je suis dans la gare Montparnasse forcément. Et puis on attend. Bon,
Et puis on attend Rachel, le temps qu'elle arrive, là elle arrive dans 40 minutes à peu près et puis je vous la montrerai. En réalité Rachel a mis 2 heures pour venir, du coup j'ai dû m'occuper comme je peux. J'ai fait 30 fois le tour de la gare, j'ai appelé Charlène pendant au moins 1 heure, les gens me regardaient trop chelou, j'ai fait des lives. Mais au final vous allez voir que je vais enfin rencontrer Rachouchou alias Rachel Loves Noah. Du coup on est arrivé à Paris et là regarde Rachel, elle est arrivée parce qu'elle a mis 40 minutes à arriver, même plus, 1 heure et demie. Du coup là on est enfin tous les deux. On va se diriger vers la tour Eiffel. On a un petit peu marché avec Rachouchou. Voilà. Du coup, vous voulez voir, on est où là actuellement? On est à la tour Eiffel. Donc voilà, maintenant on va aller aux Champs-Élysées du coup. Donc voilà, on y va. Sérieusement? Bah oui, tu veux qu'on aille où? Mais je sais pas. Alors au début, on veut quand même raconter le fait qu'on trouvait bizarre de se voir. Et en mode, mais qu'est-ce que. C'était trop bizarre. Mais non, mais il est pas devant moi, c'est pas possible. Mais je l'ai vu, j'ai fait. C'est Rachouchou là. On a bugué clairement. Et du coup, depuis tout à l'heure, j'ai plus de voix, c'est horrible. Du coup, là, la tour Eiffel est derrière nous, elle est toujours là. Hein. Tu restes là, Rachouchou. Oui, oui, je suis là. Et là, maintenant, on voit le Trocadéro. Bon, on va pas aller le voir parce qu'il y a beaucoup trop de monde et qu'on n'aime pas la foule. Maintenant, on va aller aux Champs-Élysées. Donc, bisous. Du coup, on a été boire un coup, on a payé 10 balles, on s'est bien fait. Voilà. Arnaquer pour un Perrier de l'eau. Hein. Voilà. Et là, on est devant Ikea. L'emballage. Donc, voilà. C'est moche, c'est de l'art, on va dire ça. Maintenant, on va aller au Georges V. Et voilà, bisous. Quand on arrivait à l'hôtel Georges V, plusieurs personnes sont venues nous voir en disant que Noah était déjà rentré. Donc bon, on était dégoûtés. Mais j'ai quand même réussi à avoir des vidéos. J'ai pas filmé quand on était devant l'hôtel, mais j'ai vu plein de gens, des amis, tout ça, c'était super. Après, on est rentré à la maison, mais bon, c'était un peu compliqué avec les bouchons à Paris. Et quand on est rentré, bah, on n'a pas fait grand chose, du coup, bah, j'ai pas filmé. Mais le lendemain matin, c'est là que tout commence vraiment. Arrivant vers la SFM, devinez qui j'ai vu? Notre ami Alex qui se promenait pour aller vers la SFM 4. Les copains, on arrive à la SFM avec tout le monde. Hi. Du coup là c'est bon, on a pris nos passes, on a même eu une photo avec les magnifiques. Du coup là vraiment beaucoup de monde. Du coup voilà, maintenant on attend. Je suis choquée, il y a plein de gens qui sont venus pour les photos, c'est un truc de ouf. J'aurais jamais pensé qu'il y allait avoir autant de monde. Après j'ai vu mes amis, j'ai vu des abonnés, vous étiez tous incroyables vraiment. Après on a attendu longtemps. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Oh, you have a fan page? Yes. Oh, what's it called? Axel Schnapp. What is it? Axel Schnapp. Oh, well, I will follow you after. Oh! Okay, what's your question? Okay. My question is, if you don't become an actor, what would you have wanted to do? I don't know, TikTok?
Du coup, là, il y a eu le panel de Noah et Alex, c'était tellement bien. Après, il y a eu les extras, donc je vais vous montrer la photo et j'ai enregistré, donc vous pourrez entendre ma conversation avec Noah. Can you say you are like, oh my god, it's Moana, yes. Okay? Wait, what was your account called again? Max and Schnapp. Okay, thank you. Hi. Hi. Okay. And this is a Funko Pop I made for you. Oh, you made one? And a Funko Pop squeeze. Oh, wow. And a box for you. Oh, that's so nice. And my Instagram and TikTok. Oh, thank you. Voilà. Thank you so much. Thank you. De rien. Bye. Bye. C'était juste incroyable, j'ai pas pu tout mettre parce que j'avais beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, donc j'ai pas pu mettre super long, mais en tout cas merci beaucoup à tous les gens qui sont venus me voir, tous mes amis, tous mes abonnés, tout ça, vous êtes tous géniaux, donc j'ai tellement hâte d'aller à la SFM 5. Je vous laisse sur les dernières images de la SFM et puis je vous fais plein de gros bisous, vous êtes les meilleurs, je vous adore. Il va descendre en bas. Vite, les monopoles là en plus. On est des hystériques, ça peut pas prendre l'ascenseur en plus. Thank you.
Maman, je suis venue pour une fois. Mais voilà, aïe aïe. Maman, fais en bas. Viens, ma vie dehors, devant. Go, 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 go. Vite, toi, le pauvre, arrêtez-moi. Bon, ça, le pauvre. Axel, il sort par la gauche, il sort par la droite. Vite, vite, vite. Il va s'arrêter, attendez, ne touchez pas, il va s'arrêter, ça. Oh non. Allez, on le dit. Un truc de fou. Ouais. On regarde la vidéo. Ouais. Il a fait là. SFM 4 c'est terminé, mais heureusement il va y avoir d'autres SFM, donc j'espère pouvoir y aller et pouvoir encore rencontrer tout le monde, mes amis, mes abonnés, parce que c'était vraiment une expérience incroyable. Il n'y a pas que le fait de rencontrer Noah, c'était le fait de rencontrer vraiment tout le fandom. De le week-end était super, vraiment du début à la fin il y a eu que de bonnes choses. J'ai pu réaliser un de mes rêves, de rencontrer un acteur que j'apprécie beaucoup et de voir tous mes amis virtuels, parce que comme quoi il faut pas dire que le virtuel ne devient jamais réel, car comme vous pouvez le voir, le virtuel est devenu réel et c'est passé super vite et je regretterai jamais ce que j'ai, enfin, d'avoir fait ça. J'espère vraiment pouvoir aller à la SFM 5 pour encore vivre ces émotions que j'ai vécues là-bas. Et en parlant d'émotions, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une story time de mon week-end SFM 4. Après, je vous expliquerai tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on peut pas forcément montrer à travers une vidéo. Je pourrais tout vous expliquer, je pense que ça pourrait être cool. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Ça m'a mis beaucoup de temps pour récupérer toutes les vidéos, toutes les photos, faire le montage, ça m'a pris au moins plus d'une semaine. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à mettre un like, abonnez-vous, partagez, commentez. En tout cas, je vous remercierai jamais assez pour ce qui s'est passé, d'être venu me voir. J'ai enfin pu réaliser mon rêve d'enfance. Quand j'étais petite, je rêvais tellement que... En fait, des gens viennent me voir en me disant « Oh, j'adore tes vidéos, est-ce qu'on peut prendre une photo ?» C'était vraiment mon rêve quand j'étais petit. Et de voir ce rêve se réaliser... Bah c'est incroyable, parce que, oui je dis encore incroyable, mais je pense que le Axel d'avant aurait été tellement content d'être à ma place à ce moment-là. Et de voir que tout le travail depuis le début de l'année se réalise enfin, et voilà. En tout cas moi je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis bah cœur sur vous hein. What could it have been? I don't know, but let's get out of here.